Hello les gens, c'est DarkGamer360, on se retrouve pour une vidéo de tuto. C'est pour vous montrer, pour mettre un tuto sur Ascensia, comme les autres jours personne n'avait compris parce que ceux de ma chaîne n'avaient pas très bien compris. Donc voilà, je vais vous montrer aujourd'hui comment le faire, enfin un tuto mieux expliqué hein, parce que, donc c'est très simple. Alors d'abord, désolé, d'abord vous lancez Ascensia, c'est très simple, voilà. Ensuite vous arriverez sur sur le launcher Ascensia. Donc là ça c'est mon compte, mais je vais tester si j'arrive à me coucher sur dessus puisque je me suis fait hacker par une personne que je sais pas. Donc là voilà, ça c'est pour mon moment. Donc ensuite vous allez en bas à droite, vous cliquez sur mon compte. Ensuite il y aura une page internet qui va se lancer très vite. Donc voilà, il y aura mon compte, désolé, voilà. Donc là il y a pas encore de compte s'inscrire, mais là si vous je pense que si vous avez pas de compte ça ne sert pas, parce que regardez là, ça, moi ça marche pas quoi, l'autre jour quand j'ai, voilà, ça va vous mettre ça. Donc non, moi je prends pas ça. Donc voilà, je vais là, donc je mets mon mot de passe, voilà, ça c'est secret, voilà. Donc voilà, là quand vous aurez tapé votre mot de passe, il y aura, alors désolé, il y aura paramètres, pseudo, voilà, option, éditer votre skin slash votre cap, et lien, accéder au forum, mais ça c'est pas intéressant, mais paramètres aussi c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant c'est option, éditer votre skin cap. Donc vous cliquez sur vous cliquez dessus. Donc moi j'ai le skin de ZRF et Pandore. Donc voilà. Donc ensuite à droite il y a galerie des skins, il y a Spider-Man, agent secret, voilà. Alors Ebro Brain, voilà. Il y a en dessous, il y a galerie des caps que je souligne en bleu. Voilà. Donc il y a cap TNT de la Terre, tout ça, mais c'est voilà. Mais si vous voulez pas galerie des skins et galerie des caps, donc vous ouvrez une page internet. Voilà. Donc vous tapez Nova Skin, que je mettrai dans la description. Ensuite vous faites espace, vous tapez skin. Si vous voulez genre comment dire Underman, si vous aimez bien les Underman, vous êtes Under. Moi j'ai mis Under, voilà. Donc le lien, si vous ne cliquez pas sur description, je le dicte. Donc c'est underman-novaskin-minecraft-editor. Enfin voilà, vous cliquez sur cette page et sur le lien, mais normalement ça va vous mener ici. Et là si en haut, si vous aimez pas normal, enfin voilà, donc en haut à droite, voilà, où il y a Google Plus, donc vous tapez genre boy, voilà, et ça va vous donner directement ce que vous voulez, genre ça c'est le skin de Coq 22, il est beau. Donc par exemple vous préférez LOL, cool, non, cool, cool. Oh le bug, cool creeper boy blue, donc, vous cliquez dessus, voilà. Donc il y a download de skin, ça c'est pour le télécharger sur Ascensia, donc je vais vous montrer après. Il y a edit de skin, c'est pour comment dire le changer son apparence et tout ça. Il y a change au Minecraft player, ça je ne sais pas. Wallpaper miss, je pense que c'est un wallpaper, enfin voilà quoi, une image avec ce personnage, voilà. Donc vous allez cliquer sur l'ordinateur avec la flèche, genre download de skin, voilà. Donc là ça va vous envoyer genre ouverture de cool creeper png, voilà. Donc enregistrer le fichier, vous faites ok. Donc là il y aura la flèche en verte qui va s'afficher.
Donc ensuite, vous allez sur Ascensia. Donc vous faites, vous cliquez sur parcourir. Ensuite, vous allez dans téléchargement parce que ce sera là qu'il y sera. Alors, attendez 2 minutes. Voilà, donc là, quand... Je vais bien montrer. Est-ce que je peux faire un zoom? Non, je peux pas faire de zoom. Donc là, il y a votre skin ici. Voilà, au pire, vous regardez votre le nom du truc. Donc vous cliquez sur votre skin. Ou soit vous cliquez deux fois, ou soit vous cliquez une fois et vous faites ouvrir. Moi j'ai l'habitude de prendre deux fois. Donc ensuite vous faites envoyer. Voilà. Moi j'ai l'habitude de refaire envoyer. Parce que ça me rassure pas le truc en vert. Donc là, voilà. Voilà, vous avez votre skin. Mais ce n'est pas tout. Je pense qu'après, on le voit ou pas. Je suis pas sûr. Alors, on ferme Ascensia. Je vais le relancer. Pourvu que ça marche. Hein, de revenir sur 23. Sinon, tu vas voir, je vais te taper. Hein. Non, sérieusement, je peux pas le taper puisqu'il n'est pas en réalité. Non, sérieusement. Du coup, je sais pas si je pourrais me croire avec mon compte, vu qu'il s'est fait hack. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Ça, je suis pas sûr. Mais bon, au cas où. Donc ça, c'est mon pack de texture. Si vous voulez, je pense que je mettrai dans la description. Alors d'abord, on va y aller dans solo. On va y aller dans mon serve. Voilà. Ok. Le truc. Bonjour, quoi. Bon. Là, voilà. Vous avez votre skin. Qui est magnifique. Alors. Hop. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Là, vous avez votre skin. Donc voilà, il est bien. Et si vous le trouvez joli, donc là on passe à la normale. Donc là, désolé si je freeze. Donc on va y aller par exemple sur BadBlock. Voilà, sur un serveur que j'ai. Alors attention, on va voir si ça marche. Enfin, je pense que celui qui m'a hack, il n'a pas le bloc, mais bon. Alors, pourquoi est-ce que j'arrive pas avec le... C'est bon, j'arrive. Alors, est-ce que je vais arriver? Voilà. Donc, oui, là, j'ai réussi à me coup avec Dragner sur notre... Donc, voilà, là, vous avez votre skin. Alors, désolé, je vole. Alors. Alors, Gab. Ah, donc vous savez quoi, on va y aller dans Pre-Build. Donc ça c'est mes créations. Ouais, c'est bien. Un ami à moi est venu sur le serveur. D'accord. Donc voilà. Ok, slash TPIS. Est-ce que ça marche? Voilà, accepté. Slash MSG dans clean. Tu vois mon skin. Attends, non, fait. Ok, donc voilà, c'est Conklin, c'est mon ami. Voilà, c'est une personne que j'aime bien, honnêtement. Donc voilà, donc votre skin, il est vu. Voilà, au pire demander, hein. Voilà. Qui a Ascensia. Il est bête ce mec. Qui a Ascensia, sérieusement. Donc, voilà, le tuto est fini. J'espère que vous avez aimé. Je casse. Toilette. Genre, ça fait toilette. Toilette. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tuto. Likez cette vidéo. Mettez un commentaire. Et ciao les gens!